Tout est parti d'un document publié par le Canard Enchaîné, une photocopie de 4 lignes signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui, c'était en 73, Bokassa n'était pas empereur, M. Giscard d'Estaing était ministre des Finances. Alors la question posée aujourd'hui, d'abord par nos confrères, puis déjà un peu par le personnel politique et celle-ci, M. Giscard d'Estaing a-t-il été en possession de ce cadeau présidentiel et dans ce cas, est-il resté en possession de ce cadeau? À l'Élysée, voici ce qu'on indique. Les échanges de cadeaux de caractère traditionnel, notamment lors des visites des membres du gouvernement dans les États étrangers, n'ont en aucun cas ni le caractère, ni la valeur, le Canard Enchaîné parlait d'1 million de francs, qui ont été mentionnés par certains organes de presse à propos du Centrafrique.